On va commencer à s'intéresser donc de très près à la première notion, c'est-à-dire la notion d'initiation. C'est peut-être d'ailleurs, je me suis aperçue, celle à laquelle on va accorder le plus de temps. Pourquoi ? Parce que peut-être que c'est d'elle justement que tout va sortir et que c'est une notion en fait extrêmement, qui interpelle à plus d'une raison. Et sur laquelle pèse aussi beaucoup d'ambiguïté, surtout dans le contexte culturel qui est le nôtre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une initiation ? Dans quelles conditions peut-on se dire initié ? Et à quoi ? Est-ce qu'il faut un complément ? Est-ce qu'on est initié en soi ? Est-ce que c'est un statut en soi d'être initié ? Ou est-ce qu'on est initié à quelque chose ? Et à quoi ? Bon, c'est des questions, vous allez voir, des questions assez basiques. Peut-être même qui vont vous paraître un peu triviales, mais je crois qu'il faut quand même remettre un peu les cartes sur table, là, parce que, et vous allez le voir, je vais en parler dans un premier temps, je vais essayer de déblayer un peu le terrain, vous voyez. Alors, le béaba, initiation, vient du latin initium, qui veut dire début, commencement. Le verbe latin initio, initiare, veut dire commencer. Alors, commencer, débuter donc, mais aussi introduire à ou introduire dans. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, ce terme qui est, me semble-t-il, aujourd'hui l'objet d'une surenchère éditoriale, médiatique, regardez la vitrine d'un libraire, Laurent est bien placé pour vous le dire, il y a une littérature qui prolifère sur cette question. On vous propose à tous les coins de rue des initiations, la cuisine, le reiki, le chamanisme, c'est bien simple, vous pourriez passer tous vos week-ends et même une bonne partie de la semaine à recevoir des initiations. Donc il y a une inflation. Donc je vais vous montrer en deux temps les aspects les plus significatifs de cette inflation et aussi les aspects de ce que j'appellerais à l'inverse une déflation. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, ou ça vaut rien, c'est du bluff, de la charlatanerie, etc. Donc de toute façon, ce terme en soi, si on le rapporte à son étymologie, il a un spectre sémantique très large, très très large. Le premier sens, le plus basique, mais je le rappelle quand même, ça veut dire qu'une initiation, c'est une propédeutique. C'est une introduction à quelque chose. Ça, c'est son sens profane, le plus banal. C'est une introduction à quelque chose, une propédeutique, destinée au plus grand nombre. Donc, il y a un aspect du mot initiation, et c'est ça qui est paradoxal d'ailleurs et qui est intéressant, il y a un aspect profane, très largement ouvert du mot initiation. Une introduction destinée au plus grand nombre, voire une sorte de béaba scolaire, dénuée en général de toute portée spirituelle. Alors, au sens traditionnel du terme, qui va nous occuper essentiellement ici, l'initiation marque l'entrée dans une vie nouvelle. Une vita nuova, en reprenant l'expression de Dante. Une vie nouvelle. Donc, elle marque une rupture, dont nous avons déjà évoqué l'existence. Et elle permet, en principe, c'est son but, d'accéder à des vérités cachées, à des mystères. C'est le sens des mystères antiques. Qui était jusqu'alors voilé. Donc, dans ce sens fort du mot initiation,
il y a l'idée d'un dévoilement, d'une révélation. Et elle ne s'adresse de ce fait qu'à des individus motivés, voire à de rares élus. C'est le cas dans les gnoses. En tout cas, il faut au moins une motivation sérieuse. Bon. Il faut le désirer, il faut s'y être préparé. Donc, l'une est, comme on dirait aujourd'hui, grand public, hein, c'est très largement ouvert, avec un but pédagogique, tout à fait respectable, d'ailleurs, quand c'est bien fait, c'est tout à fait respectable, tandis que l'autre est sélective, élective aussi, hein, et suppose qu'on soit digne de la recevoir. Ça veut dire que on va exiger de vous non seulement une préparation, mais que vous fassiez preuve de certaines qualités. Hein? Ça, c'est au sens traditionnel sur lequel nous allons vraiment beaucoup insister durant ces heures.